Bonjour, chers élèves, les deuxièmes années SPC, français aussi, SVT, sciences éco et aussi technique. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice 2 d'un devoir à domicile, semestre 1, dérivation, études de fonctions. Exercice 2. Soit f la fonction numérique d'une variable réelle x définie par f de x égale à x. Facteur de racine de x moins 2, le tout au carré. Premièrement, petit a déterminé D de f, l'ensemble de définition de la fonction f. Petit b, calculer la limite de f de x en plus d'infini. Deuxièmement, étudier la dérivabilité de f en 0 à droite et interpréter le résultat graphiquement. Troisièmement, calculer f' de x pour x appartenant au D de f moins 0. Petit b, étudier les variations de f. Quatrièmement, petit a, calculer f seconde de x pour x à partir de d de f moins le singleton 0. Et petit b, étudier la concavité de la courbe de f et déterminer le point d'inflexion, c'est-à-dire le point d'inflexion de la courbe. Cinquièmement, étudier les branches infinies de la courbe C de F. Ça, c'est cinquièmement. Sixièmement, tracer C de F dans un repère orthonormé OIJ. Septièmement, soit G, la restriction de F à l'intervalle fermé 4 plus infini. Question 1, montrer que la fonction G admet une fonction réciproque G moins 1 définie sur un intervalle J à déterminer. Et petit b, calculer G moins 1 prime de 9. Petit c, calculer pour tout x de j, g moins 1 de x, c'est-à-dire l'expression de g moins 1. Et petit d, tracer c, g moins 1, c, g, ça c'est c, g moins 1, dans le repère OIJ. Et après, je vais vous donner les solutions. Commence par le domaine. F de x, c'est x facteur de la racine de x moins 2. Vous avez x à l'intérieur de la racine, donc la seule condition, x supérieur ou égal à 0. Donc on a x à partir de f est équivalent à x supérieur ou égal à 0. Donc le domaine de f, c'est l'intervalle fermé 0 plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est quoi? C'est la limite de x, la racine de x moins 2, le 2 c'est à l'extérieur de la racine, le tout au carré. Normalement, x il tend vers plus l'infini. Racine de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Moins 2, c'est négligeable. Donc, plus l'infini au carré, c'est plus l'infini. Donc, la limite de x, racine de x moins 2 au carré, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. C'est ça le domaine de la fonction f. Dérivabilité à droite en 0. Je calcule la limite des taux d'accroissement, c'est-à-dire 0 plus la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. Vous avez f de 0, il est égal à 0. F de 0, c'est 0 fois la racine de 0 moins 2, donc ça donne 0. Donc c'est la limite. Lorsque x tend vers 0 plus, ça veut dire la limite à droite de x, la racine de x moins 2 au carré sur x. Normalement, en simplifiant par x, ça reste la limite en 0 plus de la racine de x moins 2 le tout au carré. Racine de 0, c'est 0. Moins 2 au carré, c'est 4. Donc, je trouve 4, c'est un réel. Donc, f est dérivable à droite en 0 et f' droite. Elle est égale à 0. Puisqu'il y a une dérivée, nombre dérivé à droite au point 0, donc la courbe elle va admettre une demi-tangente oblique dans l'équation. Ça sera déterminé avec la règle. Interprétation graphique. L'interprétation graphique. C de f admet une demi-tangente à droite au point A, donc comme ça c'est le point tangent. Et quelle est son équation? J'applique la règle. Y égale f prime
droite de A facteur de x moins A plus f de A. Et je l'applique bien sûr pour A égale 0. Donc y, c'est f prime de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0, qui est égal f de 0, c'est 0, f prime droite de 0, c'est 4. Donc ça donne 4x, et c'est ça l'équation de la demi-tangente à CF à droite au point A. Maintenant, troisièmement, c'est la dérivée. Je calcule la dérivée de la fonction f. Voilà. Soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, parce que la racine du x, il est strictement, sa dérivée, c'est quoi? C'est 1 sur 2 racine du x, bien sûr, pour x strictement positif. F prime du x, vous avez, c'est un produit, donc j'applique la règle U de x, le tout à la puissance n dérivée, c'est quoi? C'est n fois U prime de x fois U de x à la puissance n moins 1. Ça, c'est la règle de la dérivée du produit. Parfois, on dit U à la puissance n, d'une manière générale, sa dérivée, c'est n fois U prime fois U à la puissance n moins 1. Donc, je dérive x, parce que f de x, c'est x la racine de x moins 2 le tout au carré. La première chose, j'applique la règle du produit. U fois V, la dérivée du produit U fois V, c'est U prime V plus U V prime. Donc c'est X prime fois la racine de X moins 2 au carré plus X fois la dérivée du deuxième facteur, qui est la racine de X moins 2 le tout au carré. La dérivée de X, c'est 1. Dérivée de X, bien sûr, c'est 1, qui multiplie la racine du x moins 2 le tout au carré, plus 2x, et j'applique la dérivée de la puissance. C'est 2 fois la dérivée de racine du x moins 2, fois la racine du x moins 2 à la puissance 2 moins 1. Vous pouvez remarquer ça apparaît un facteur qui est la racine du x moins 2. Donc, il me reste à calculer la dérivée de la racine du x moins 2. Quelle est sa dérivée? C'est la dérivée de la racine du x moins la dérivée de 2. La racine du x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine du x moins 0. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner racine du x moins 2 au carré plus 2x fois 1 sur 2 racine du x fois la racine du x moins 2. Après, je simplifie par x et je vais appliquer aussi une règle. Vous avez x sur, il y a la simplification par 2, et x sur racine du x, c'est quoi? C'est la racine, parce que x c'est quoi? C'est la racine du x, le tout au carré. Je parle toujours pour x positif. Donc, ça va me donner x sur racine du x qui est égal à racine du x. Donc, ça reste ici racine du x. Racine du x. Tout ça, c'est racine du x. Racine du x, et je factorise par la racine du x moins 2. Racine du x moins 2, je fais les crochets, ça reste racine du x moins 2 entre parenthèses. Et celle-ci, bien sûr, c'est la racine. Celle-ci, c'est la racine de x qui reste en facteur. Racine du x moins 2, c'est 2 racine du x moins 2. Je factorise le 2. Ça reste 2 racine du x moins 2 fois la racine du x moins 1. Voilà, ça c'est donc la dérivée maintenant, c'est donné. Ça reste le tableau de variation, ou bien les variations. Voilà, ça c'est la racine du x, c'est-à-dire, j'ai déjà fait tout ça. Je passe maintenant au calcul, aux variations. Donc, je vais savoir quand est-ce, je vais étudier le signe de
de ce facteur, c'est-à-dire de f prime du x. Ça, c'est f prime du x. F prime du x égale à 0, équivalent, le produit est nul, ça veut dire racine de x moins 2 égale à 0 ou racine de x moins 1 égale à 0. Ça va vous donner racine de x égale à 2 ou racine de x égale 1. Après, vous passez racine de x au carré égale 2 au carré ou racine de x au carré égale 1 au carré. C'est pourquoi vous allez trouver x égale à 4 ou x égale 1. Donc, il y a, ce sont normalement, la dérivée, elle va s'annuler en deux points, x égale à 1 et x égale 4. Et au point d'abscisse x égale d'abscisse 4 et l'autre point qui est d'abscisse 1, la courbe, elle va admettre une tangente horizontale ou bien parallèle à l'axe, bien sûr, des ordonnées. Je vais dresser le tableau de sine. Vous avez les variations. Normalement, ça, c'est déjà donné. Voilà, celle-ci, c'est déjà écrit. Voilà. Donc, normalement, je vais dresser un tableau de sine. Le tableau de sine, c'est de la racine de x moins 2. Racine de x moins 2. Elle s'annule en 4. Elle s'annule en 4. Lorsque x est supérieur ou égal à 4, racine de x, ça sera supérieur ou égal à 2. Donc, racine de x moins 2, il est positif ou nul. Et ici, ça sera négatif. Voilà. Donc, à droite, c'est positif. À gauche, elle est négative. Elle est négative. Et j'obtiens, bien sûr, ici, positif. Mais ici, c'est négatif. Ça, c'est pour le 4. Donc, la dérivée, il s'annule en 0. Le produit, il va s'annuler aussi en 0. Et la dérivée, elle va s'annuler, bien sûr, au point 0, ici. Ça, c'est négatif, négatif. La même chose, racine de x moins 1, elle s'annule au point 1. X supérieur à 1, racine de x supérieur à 1, donc racine de x moins 1, elle est positive. À gauche, elle est négatif. Le produit, il s'annule bien sûr en 1 et il s'annule en 0. Et je fais la règle de sine. Plus le produit, il est positif. Plus avec moins, ça donne moins. Plus avec plus, ça donne plus. Voilà. Tableau de variation. Normalement, sur l'intervalle 0, 1, la fonction, ou bien variation de f, donc ça sera croissante. F de 1, f de 1, si on calcule f de 1, ça va me donner 1 fois la racine de 1 moins 2, qui est moins 1 au carré, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Donc ça, c'est le maximum. C'est ici où il y a une tangente horizontale au point de coordonnée 1, 1. Donc, au point 1, 1. Maintenant, au point 4. C'est la même chose ici. Sur 1, 4, elle est décroissante. Il décroît vers 0. Au 0, parce que la racine de 4, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. Et elle croît vers plus l'infini. Donc, ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. Au point 0, 0, il y a une demi-tangente à droite au point 0, c'est t droite, on va la tracer. Ici, il y a une tangente horizontale, ici, tangente horizontale au maximum et au minimum. Et on verra la branche infinie, ici, en plus, l'infini. La quatrième question, petit a, c'est calculer la dérivée seconde. C'est la dérivée seconde. Vous avez f' du x, soit x strictement positif. On a f' du x, c'est quoi? C'est 2 la racine du x moins 2, facteur de la racine du x moins 1. Vous pouvez calculer la dérivée comme ça. Ou bien, vous pouvez
développer, pour simplifier un peu, les calculs. C'est-à-dire, donc, lorsque vous développez, ça va vous donner deux facteurs de racine du x fois racine du xx, moins racine du x, moins 2 racine du x et plus 2. Lorsque vous développez, donc moins x et moins racine du x, moins racine du x, ça donne moins 3 racine du x, fois 2, ça donne moins 6 racine du x. Et vous avez 2x et plus 4. Ça, c'est la dérivée. C'est-à-dire, la dérivée, je prends une forme ou bien utiliser la forme du produit et utiliser la dérivée du produit. Et maintenant, je fais la dérivée seconde. Vous avez f seconde, c'est quoi? C'est la dérivée de la dérivée. Donc, je dérive 2x moins 6 racine du x plus 4. Et ça sera très facile. Donc, c'est la dérivée de 2x, car vous avez ax, sa dérivée, c'est a. La dérivée de racine du x, j'ai déjà indiqué, c'est 1 sur 2 racine du x. Donc, vous avez 2 moins 6 fois la dérivée de racine du x qui est 1 sur 2 racine du x. Et la dérivée de 4, bien sûr, c'est 0. Donc, après, vous avez 6 divisé par 3, par 2, ça donne 3. Donc, c'est 2 moins 3 sur racine du x. Donc, c'est 2 racine du x moins 3 sur racine du x qui est strictement positif. Le signe, donc, ça dépend du signe du numérateur. Petit b, étude de concavité et point d'inflexion. J'ai déjà dit que pour étudier la concavité de la courbe d'une fonction, il faut que ma fonction soit deux fois dérivable sur un intervalle i, et la concavité, je peux l'obtenir à partir des signes de la dérivée seconde. Et le signe de la dérivée seconde, si la dérivée seconde est positive sur un intervalle i, alors ma courbe, ça sera, sa concavité est dirigée vers le haut, et on peut dire qu'elle est convexe. Et si sur l'intervalle i, la dérivée seconde est négative, alors ma courbe, sa concavité sera dirigée vers le bas, et dans ce cas-là, on dit qu'elle est concave. Et le point où il y a la concavité, ça change dans ce cas-là, c'est-à-dire si la dérivée seconde s'annule en changeant de signe en un point A, alors le point d'abscisse A est un point d'inflexion. Et ceci à condition que la fonction soit dérivable, bien sûr, au point A, et on a déjà parlé de celle-ci, il faut que la dérivée, pour calculer la dérivée seconde sur un intervalle, il faut que la fonction soit deux fois dérivable. Étudier la concavité du point d'inflexion. On a pour tout x du x, strictement positif, racine du x est strictement positif. Donc le signe de f seconde du x est le signe de 2 racine du x moins 3. Je dois savoir quand est-ce 2 racine du x moins 3 est nul. Celle-ci, 2 racine du x moins 3 égale à 0, est équivalent à 2 racine de 3. De x égale à 3. Donc, racine du x égale à 3 sur 2. Et je fais le carré, car le carré de racine du x, son carré, c'est x, à condition que x soit positif. Donc, ça va vous donner x, c'est 9 sur 4. Donc, 9 sur 4 sur le point où la dérivée seconde s'annule. Il se peut qu'elle sera le seul point d'inflexion. Mais à condition que la dérivée seconde change de signe, c'est-à-dire f seconde change le signe en passant par le point 9 sur 4. Donc le signe de ma dérivée seconde. La dérivée seconde, elle s'annule au point 0. Donc ici, il y a la concavité, il y a ici un point d'inflexion que je vais la noter i. Donc, normalement, lorsque x est supérieur à 9 sur 4, racine de x, ça sera supérieur à la racine de 9 sur 4, qui est racine de 9, c'est 3.
et ça va vous donner 2 racines de x supérieure à 3, donc 2 racines de x moins 3 est positif. C'est pourquoi j'ai fait ici, le signe c'est positif et ici c'est négatif. Voilà, j'efface bien sûr pour mieux voir le tableau de signes, parce que la concavité, on peut étudier la concavité de la courbe d'une fonction et on peut résumer l'étude dans un tableau. Donc f seconde qui est égal f seconde, j'ajoute, c'est pas uniquement 2 racines de x sur, donc racine de x, voilà. Et je donne ici le signe de la racine de x, 2 racine de x moins 3. 2 racine de x moins 3 sur 0 plus l'infini, il s'annule 9 sur 4. Ici, il est positif, ici, il est négatif. Donc, le signe de la dérivée de seconde qui est 2 racine de x moins 3 sur racine de x. Le même signe, négatif et positif. Sur 0, 9 sur 4, et la dérivée seconde, normalement ici, il y a deux barres indiquent que la dérivée seconde n'est pas définie. Et sur l'intervalle même, ici, je prends parce que j'étudiais sur pour les x strictement positifs. Donc, sur 0, 9 sur 4 qui est ouvert, la concavité est dirigée vers le bas. Ça veut dire la courbe, elle prend ce genre de forme. La concavité vers le bas. Et sur 9 sur 4 plus l'infini, la concavité est vers le haut. Et ici, il y a un point d'inflexion. Le point d'inflexion est I de coordonnées 9 sur 4, 3, car f de 9 sur 4, vous pouvez la calculer, elle vous donne 3. Maintenant, la branche infinie en plus l'infini. On a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je calcule la limite de f de x sur x. La limite de f de x sur x, vous simplifiez normalement, c'est x racine de x moins 2 au carré sur x, vous simplifiez. Ça donne la limite de la racine de x moins 2. En plus, l'infini, c'est plus l'infini, parce que racine de x, la limite en plus l'infini de la racine de x, c'est plus l'infini. Donc, dans ce cas-là, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Le rapport f de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe OX au voisinage de plus l'infini. Maintenant, je passe à la courbe. Je ne vais pas, pour vous, normalement, celle-ci, je vais l'expliquer après. Donc, je prends l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Comment je vais tracer la courbe de ma fonction? Voilà, la courbe de... Donc, pour le traçage, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Pour le traçage, la première chose, je vais au point de coordonnées 0, 0. Il y a une demi-tangente oblique d'équation y égale 4x. Donc, je dresse un petit tableau de signes qui va nous donner deux points. X égale à 0, donc y égale à 0. Et je prends x égale à 1 demi, donc y égale à 2. Donc, il y a le point tangence ici. Il y a un demi, ça donne 2, et je trace cette tangente qui est, c'est la tangente à droite au point 0. Il y a aussi, d'après tableau de variation, il nous donne deux tangentes. Il y a une tangente au point, ici au point de horizontal, au point de coordonnées 1, 1. Et il y a une autre au point de coordonnées 4, 0. Ça veut dire qu'il y a deux tangentes parce que la tangente, sa pente, c'est quoi? C'est f' de x0 et si la dérivée s'annule, alors le coefficient directeur, il s'annule et la tangente, il devient horizontale.
Voilà. C'est pourquoi au point 1, 1, il y a une tangente horizontale et au point 4, 0, il y a une tangente horizontale. Si je reviens au tableau de variation et je vais essayer de voir les variations, c'est-à-dire je trace avec le tableau de variation. Donc ma courbe, il croît du point 0, 0, où il y a une demi-tangente de droite, et après il croît jusqu'à ici où il y a une tangente. Voilà, donc la courbe, il croît, et après il va toucher la tangente au point tangent qui est 1, 1, et après il décroît, il change sa concavité. Il décroît, il va changer sa concavité en un point. Et ici, normalement, la courbe, il va toucher la tangente au point de coordonnée 4, 0, et il croît. Et là, une branche voisinage de plus l'infini, et là, une branche parabolique de direction l'axe OX. Et dans ce cas-là, il y a normalement une. Donc, dans ce cas-là, on va obtenir la courbe, il va prendre la direction, une branche parabolique de direction. De direction, la droite d'équation y égale à 0, qui est la droite, l'axe des abscisses. Ça, c'est la branche parabolique au voisinage de plus l'infini. Et finalement, je vais trouver la courbe, l'axe, normalement ici, pardon, il y a quelque chose sur la branche parabolique. La branche, pardon. Lorsqu'il y a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de f de x sur x, il donne plus l'infini. Donc la branche parabolique est dirigée par l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, pardon. L'axe des ordonnées, ou bien ce qu'on note, c'est l'axe OY. Ça veut dire la courbe au voisinage de plus l'infini, il va prendre la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Voilà. Ça, c'est la courbe. Et je reviens maintenant à la courbe. Donc, ça, c'est. Donc, il croît de la demi-tangente au point 0, 0. Il croît vers le maximum où il y a une tangente verticale, horizontale, pardon. Et après, il décroît. Et ici, il y a, normalement, il y a 9 sur 4. 9 sur 4. 9 sur 4. C'est à peu près, c'est 2,25. 2,25. Ça veut dire. C'est ici où il y a ce qu'on appelle, c'est-à-dire là, le point d'inflexion, où il y a changement de concavité vers le bas et après il devient vers le haut et la concavité ne change pas. Et vers plus l'infini, la courbe, elle va prendre la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées. Donc celle-ci, c'est la courbe de ma fonction f. C'est la courbe de ma fonction f. Après, on verra la courbe de la fonction réciproque. Je passe maintenant à la deuxième partie, ou bien à la dernière partie de ce problème, ou bien de cette fonction. C'est la fonction réciproque. La fonction réciproque de g. G, c'est quoi? C'est la restriction de f sur l'intervalle 4 plus l'infini. Ça veut dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle fermé 4 plus l'infini, g de x égale f de x. On vous demande de montrer que g admet une fonction réciproque, g moins 1, définie sur un intervalle j à déterminer. G est dérivable sur 4 plus l'infini, donc elle est continue. Ou bien, vous pouvez utiliser les opérations. La fonction qui est associée x associée x, elle est continue sur R et en particulier sur 4 plus l'infini. La fonction racine qui est x associée racine de x est aussi continue sur l'intervalle
0 plus l'infini, en particulier sur 4 plus l'infini. Donc, la fonction qui est x associée à racine de x moins 2, il est aussi continu sur 4 plus l'infini, son carré aussi, et le produit est continu. D'après tableau de variation, g est strictement, donc il y a la continuité, voilà, il est quand g continue sur 4 plus l'infini, g est strictement croissante sur 4 plus l'infini d'après tableau de variation. Donc g admet une fonction réciproque g moins 1 définie sur l'intervalle j qui est égal à g de i. Et quel est le g de j? J qui est l'image de 4 plus l'infini par g ou bien par f. Donc puisqu'elle est continue strictement croissante, ça sera g de 4 et la borne. La limite de g de x en plus l'infini, je sais que la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et g de 4, c'est 0. Donc l'intervalle j, c'est 0 plus l'infini. Je passe maintenant à une question concernant, dites, calculer g moins 1, g moins 1 prime de 9. Voilà. Il y a une relation, normalement une règle qu'on connaît déjà, c'est g. C'est g est dérivable en un point x0 et g prime de x0 est différent de 0. Alors g moins 1 est dérivable au point y0 qui est l'image de x0 par g. Et quelle est la règle? G moins 1 prime de y0, c'est 1 sur g prime de x0. Donc pour nous, nous voulons calculer la dérivée g moins 1 prime de 9. Donc 9, il faut qu'elle soit, quelle est l'image de quelle valeur, de quel point? On cherche x0 tel que g de x0 égale à 9. D'après la courbe de f, au pas calcul, c'est-à-dire résoudre une équation, on trouve g de 9, elle est égale à 9. G de 9, elle est égale à 9. Normalement, g de 9, c'est le point d'intersection avec la première bisectrice. C'est-à-dire g de 9 égale 9. Ou bien, vous pouvez résoudre l'équation g. Chercher g de x, chercher x0 tel que g de x0 égale à 9 et essayer de résoudre une équation et vous trouvez g de 9 égale 9. Ou bien vous pouvez remarquer que ce point, le point d'intersection de C de F avec la première bisectrice, c'est le point de coordonnées 9, 9. Donc g moins 1 prime de 9, et 9 c'est quoi? 9 c'est g de 9. Donc, le y0 et le x0, ils coïncident. Donc, c'est 1 sur g prime de 9. Et g prime de 9, c'est 4. Vous calculez parce que g prime de 9, c'est quoi? C'est f prime de 9. C'est 2 racine de 9 moins 2 fois racine de 9 moins 1. Donc, ici, ça donne 3 moins 2, c'est 1. Et c'est 3 moins 1, c'est 2. 2 fois 2, ça donne 4. Donc, g moins 1 prime de 9, c'est 1 sur g prime de 9 qui est égal à 1 sur 4. Après, je vais déterminer g moins 1 du x avec x appartenant à j. Donc, normalement, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je prends y. Je prends y égale à g moins 1 du x et x appartenant à j, équivalent x égale à g du y et y appartenant à l'intervalle i qui est 4 plus l'infini. Donc, je prends soit y appartenant à 4 plus l'infini et x appartient, c'est-à-dire y, il appartient bien sûr à l'intervalle i et le x, il appartient à l'intervalle j. Ou bien, vous pouvez prendre y égale à g de x, x appartenant à i équivalent à x égale à g moins 1 de y et après, vous changez y en x. Soit y appartient à l'intervalle 4 plus l'infini et x. Et je vais résoudre l'équation x égale g de y. Il est équivalent à x égale y facteur de racine de y moins 2 le tout au carré. Racine de 2 le tout au carré. Je remarque que la racine du y, c'est la racine du y le tout au carré.
Et ça me donne x, c'est la racine du y, fois la racine du y, moins 2 le tout au carré. Je développe ici, racine du y fois racine du y, ça donne y, moins 2y, le tout au carré. Je vais voir la suite. Donc, y moins 2, la racine du y au carré égale à x, équivalent à racine du x. Si je prends la racine, ça donne racine du x. Si je fais, j'applique la racine ici. Et ça me donne la valeur absolue du y moins 2 racine du y égale racine du x. Je vais étudier le signe de ce qui est à l'intérieur. Donc, x égale g du y équivalent y moins 2 racine du y égale racine du x. Pourquoi? Parce que je vais indiquer ce qui est à l'intérieur est positif. Vous avez y supérieur à 4. Racine du y, il est supérieur à 2. Racine du y moins 2, il est supérieur ou égal à 0. Si vous multipliez, ça va vous donner racine du y, c'est-à-dire le produit, ça sera positif. Et si vous développez ce produit, ça va vous donner y moins 2 racine du y. Donc, ce qui est à l'intérieur est positif. Donc, il y a la solution convenable, c'est-à-dire, je prends ici. J'élimine les barres de la valeur absolue sans changer de signe. Donc, ça va me donner normalement à ce stade-là, je vais trouver, je vais revenir à y, c'est la racine du y au carré, moins 2 la racine du y, et j'ajoute 1 aux deux membres, parce que je vais résoudre une équation en y. Donc, j'ajoute 1 aux deux membres pour faire apparaître une identité remarquable. Quelle est cette identité? C'est la racine du y. Ou bien vous pouvez prendre grand Y, c'est la racine du y, et résoudre une équation de la forme grand Y au carré moins 2 grand Y égale plus A égale à 1 plus racine du x. Et vous allez trouver grand Y en fonction de x. Donc, ça me donne racine du y moins 2 au carré égale à 1 plus racine du x. La même chose, je fais la racine, ça donne valeur absolue de la racine du y moins 1 égale la racine de 1 plus racine du x. Voilà, et je sais que la racine du y moins 1, racine du y moins 1, si je fais racine du y moins 1, elle est supérieure à 1, donc ça c'est, elle a un signe positif. Donc, ça va me donner racine du y moins 1 égale la racine de 1 plus racine du y, car celle-ci est positive. Et ceci est équivalent à la racine du y, c'est 1 plus la racine de 1 plus racine du x. Après, je vais élever les deux membres au carré. Ça va me donner y, c'est 1 plus la racine de 1 plus racine du x au carré. Et c'est ça l'expression de g moins 1 de x. Voilà, donc ça c'est la ligne que j'ai déjà faite et ça va me donner pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, g moins 1 du x, c'est 1 plus la racine de 1 plus la racine du x, le tout au carré. Je passe maintenant à la courbe. La courbe CG moins 1 est le symétrique de C de G par rapport à delta d'équation y égale x. Donc la courbe, mais pour nous, je vais vous donner comment vous pouvez tracer la courbe CG moins 1 appartenant à partir de CG. Je donne une règle que vous pouvez l'utiliser. Pour construire CG, on utilise les propriétés, puisque j'ai déjà parlé de la symétrie. C'est-à-dire le CG moins 1 est le symétrique de CG par rapport à delta d'équation y égale à x, qu'on appelle la première bisectrice. Et s'il y a un point, si la courbe coupe la première bisectrice en un point, la CG moins 1, elle va la couper au même point. Quelle est la symétrie axiale d'axe delta y égale à x? Elle transforme le point M2, ça c'est une règle, ce sont les caractéristiques de la symétrie S delta d'équation y égale à x. Elle transforme le point de coordonnées M de coordonnées x, y au point M' de coordonnées y, x, ça veut dire qu'elle transforme l'abscisse en ordonnée et l'ordonnée en abscisse. Par exemple, le point A de coordonnées
x à y a et se transforme au point A' de coordonnées y a x a. Par exemple, si vous avez A de coordonnées 1, 2, quelle est son image de 1? Et vous savez, le point, les points, ils, à partir des points, les points, ils vont nous permettre de tracer les tangentes, et tracer les asymptotes, les directions asymptotiques. Donc, on doit savoir comment je vais transformer les points. Si vous avez une droite d'équation x égale à a verticale, le x il se transforme en y. Donc, si vous avez une droite verticale d'équation x égale à a, elle se transforme en une droite horizontale d'équation y égale à a. Et inversement. Donc, cette symétrie axiale d'axe, la première bisectrice, transforme une droite verticale à une droite horizontale. Et inversement. Et je veux revenir maintenant à la représentation graphique. Normalement, CG, CG moins 1, c'est normalement CG moins 1, CG, pardon, non, CG, la courbe CG, c'est ici. C'est cette partie de la courbe. Voilà, c'est cette partie de la courbe F. C'est la restriction. C'est ça, CG. CG. Quel est le symétrique de CG par rapport à la première bisectrice? Donc, je commence. Comment je trace le CG? Comment il est tracé? CG, comment il est tracé? Il y a une demi-tangente au point de coordonnées 0, 4. Et cette demi-tangente, elle est horizontale. Elle va se transformer à une demi-tangente. Donc, le point qui est de coordonnées 4, 0, si je le prends par exemple le point E, il se transforme au point E' de coordonnées 0, 4. Voilà le point et voilà son symétrique. Cette demi-tangente, elle est horizontale dirigée vers les x positifs, il devient verticale dirigée par l'axe les y positifs. Après, la concave, normalement, cette courbe, elle croit ce point-là. C'est un point d'intersection. C'est le point d'intersection des deux, de la C de G avec la première bisectrice. Donc, elle reste, c'est le C fixe. Et je trace maintenant la courbe CG moins 1. Donc, la fonction CG moins 1. G moins 1, pardon, sa courbe, il croît de cette demi-tangente verticale et il va passer par ce point-là. Et au voisinage de plus l'infini, vous avez C de G, admet une branche parabolique dirigée par les Y positifs, l'axe des Y positifs. CG moins 1, ça sera, il a une branche parabolique dirigée par les X positifs. Ça, c'est CG moins 1. Ça sera.